Comment désactiver notre compte Messenger? Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut désactiver notre compte Messenger. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre application Facebook. Ensuite, la première des choses que nous allons faire, c'est de cliquer sur les trois traits en haut à droite. Ensuite, arrivé ici, nous allons cliquer sur paramètres et confidentialité. Dans les paramètres et confidentialité, nous allons cliquer sur paramètres. Nous allons donc tomber ici et ici, nous allons cliquer sur informations personnelles et de compte. Nous allons donc tomber ici et ici, nous allons cliquer sur propriété et contrôle du compte. Sur cette page, nous allons cliquer sur désactivation et suppression. Et ici, nous voyons deux options, désactiver le compte et supprimer le compte. Quand nous voulons désactiver notre compte, nous allons tout simplement cocher cette case. Et ensuite, nous allons cliquer sur « Poursuivre la désactivation du compte ». Ici, nous allons tout simplement entrer notre mot de passe et cliquer sur « Continuer ». Et nous allons pouvoir désactiver le compte Facebook. Donc, après avoir fait cela, donc comme moi, je ne veux pas désactiver mon compte, je ne vais pas entrer le mot de passe pour confirmer la désactivation. Donc, ensuite, après avoir fait cela, nous allons tout simplement retourner en arrière. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir notre application Messenger. Maintenant, arrivé sur notre application Messenger, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à gauche. Ensuite, nous allons cliquer sur Paramètres. Dans les paramètres, nous allons scroller en bas et nous allons cliquer sur Paramètres du compte. Nous allons donc tomber ici. Ici, nous allons cliquer sur Informations personnelles. Nous allons ensuite cliquer sur Gestion du compte. Dans gestion du compte, nous allons cliquer sur désactiver. Ensuite, là aussi, nous allons tout simplement entrer notre mot de passe et ensuite cliquer sur continuer. Donc voilà comment vous pouvez désactiver votre compte Messenger facilement. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère bien sûr qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À plus!